Hey, hop tout le monde les gens, c'est RageGhost, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, moi je vais très bien. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui sera sur les différences de performance sur ce Call of Duty là et les anciens Call of. Donc tout d'abord je voulais un petit peu introduire le gameplay bien sûr, parce que tout de suite il y en a qui vont me dire oh, vas-y tu fais un gameplay à la balle 27, ouais c'est pas de la performance et tout. Oui bah je suis d'accord les gars, mais c'est pour vous que je fais ça, c'est vraiment pour vous. Car en fait si vous voulez, là vous allez me dire mais vous allez pas comprendre, mais si en fait c'est parce que pour mon projet de ma semaine DNA, quand je vous upload une DNA par jour, et ben j'ai pensé que si je vous gardais tous les gameplays, enfin les super bons gameplays de côté pour justement ce projet là, et en attendant mettre ce que j'ai de potable, pas de potable, c'est à dire un bon gameplay qui est full rush d'ailleurs, hein, faut le dire, qui est full rush, qui est un 39, non 39 je vais dire un 39, j'en sais rien en fait, c'est une DNA en tout cas, une DNA flawless, je sais même pas, j'ai même pas compté les gunstreaks, je vous mettrai peut-être ça dans la miniature vidéo, si vraiment il y a des gunstreaks, hein, sinon je vous mettrai pas, donc voilà. Donc c'est une DNA toute simple, la balle 27 Obsidian Steel, oui, c'est aussi la balle 27 Obsidian Steel. Donc il y en a qui va me dire, ouais, c'est facile et tout. Après, oui, c'est un gameplay avec mon compte Papy Jean-Kevin, parce que mon compte Papy Jean-Kevin, il a moins de stats que mon Rage Ghost. Il y en a, ils vont sursauter, enfin, ils vont direct me mettre dans les commentaires ou des dislikes, des trucs, voilà, négatifs. Non, enfin voilà, je le fais vraiment pour vous, les gars. C'est vraiment pour vous que je fais ça, c'est-à-dire que vous verrez bien de toute façon pour ma semaine DNA bombe tous les jours là, avec un gameplay par jour où je vais mettre vraiment que des armes qui sont peu utilisées, qui sont super dures. Donc voilà, je pense que ça vous plaira et tout. Sur ce, on s'approche vraiment des 2000, donc il en reste plus 30. Je compte sur vous les abonnés qui sont super actifs pour partager à mort les vidéos et tout, pour qu'on arrive vraiment aux 2000 abonnés. Dans cette vidéo aussi, j'avais prévu aussi de faire une petite dédicace à Hugo Design, qui est mon GFX perso. Donc j'en ai 3 de GFX perso, j'ai Pox, Hugo Design et Seik, voilà. Seik qui est un membre Rage. Hugo, il m'a fait ma bannière et tout, donc vous avez pu voir sur ma chaîne dernièrement. Elle est vraiment vraiment jolie, donc je l'encourage à continuer comme ça et aller de plus en plus loin dans ses... on va dire dans le design et tout, dans les bannières, dans le graphisme en tout cas, car il peut vraiment aller loin et tout. Il a vraiment le niveau pour moi. Il fait ça, la bannière qu'il m'a fait, il me l'a fait en 45 minutes à partir du moment où je lui ai demandé. Donc voilà, c'est vraiment c'est un performer limite en graphisme. Donc voilà, donc j'arrête un peu là pour cette présentation et etc. On va passer à la deuxième partie, avec le sujet de vidéo qui est bien sûr la différence de performance ou de perf possible sur ce Call of Duty là et les anciens Call of Duty. Donc tout d'abord je voulais vous dire que on va dire que la performance est beaucoup plus dure sur ce code là que les anciens, pour d'une part parce que je pense que vous l'avez déjà tous remarqué, le fait de jouer avec des exosquelettes et tout, on n'avait pas l'habitude. On peut facilement se faire contourner, on peut vraiment, arriver à se faire back et avec des spawns qui sont vraiment pas très très fixes, à part en avantage. Du coup, ça rend vraiment la DNA beaucoup plus dure, on va dire les perfs beaucoup plus dures. Après, il y a eu un truc aussi qui fait que c'est plus facile, mais que l'on a qui diront que ouais, c'est vraiment nul et tout de faire ça. Mais en tout cas, les Américains, ils s'en foutent complètement. La communauté américaine, vous leur dites... que leur youtubeur fait ça, mais ils s'en battent les wesh les gars, ils s'en foutent complètement, justement limite ils les encouragent. Donc voilà, donc nous si on veut aller plus loin les gars, si on veut vraiment battre les Américains au niveau perf, il faut pas que à chaque fois qu'on fait un truc qu'ils vous voient pas, que vous nous dites que vous nous insultez en gros, hein. Et donc au lieu de ça, je vous conseille plutôt de nous encourager les gars, que ce soit moi, la team Rage ou autre, les gars, encouragez nous quoi qu'on fasse. On est des Français, on représente la France avec la team Rage, on est la première FR et donc on représente la France, donc c'est vraiment super important que vous soyez avec nous et pas contre nous. Si vous êtes contre nous, c'est que vous avez pas choisi votre camp, vous avez changé de pays, aller supporter les Américains et parler anglais, je sais pas, enfin
je sais pas si vous êtes dans la même optimisme que moi, mais en tout cas voilà, pour moi c'est ça. Et donc je disais, pour les gens qui pour tous les gens, le River Boost ou autre ou un truc comme ça, ou les armes cheatées ou un truc comme ça, les Américains, eux, et ben on leur dit rien et du coup bah ça les aide vraiment beaucoup à sortir leur gameplay. Ils peuvent jouer comme ils veulent avec cette arme, avec la balle 27 pour sortir tous les gameplays qu'ils veulent. Nous on est obligé de jouer avec les armes moins bien. Et du coup bah c'est sûr que pour battre les Américains avec des armes qui sont beaucoup moins bien, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà. Comme ça fera un peu le résumé de ma première partie que je vous ai dit sur mon gameplay. Et donc voilà. Donc aussi je voulais dire que pourquoi aussi, pour continuer, pourquoi c'est plus dur de faire des perfs. Donc là ça c'est que sans River Boost ou comme ça pour battre les Américains, ou quand vous tombez à cause du matchmaking dans ce code là avec des gens qui ont le même stat que vous, quand vous River Boostez pas et que quand vous tombez contre des gens qui ont les mêmes stats que vous, et ben c'est vraiment beaucoup plus dur. Parce que c'est pas comme avant dans les anciens codes où vous pouvez tomber contre n'importe qui. Vous pouvez avoir des super forts, des moyens et des plots dans votre game. C'est pas pareil. C'était joué sur la cour en fait. La recherche de partie c'était vraiment sur la connexion. Pour avoir la fibre optique, vous allez tomber sur des connectos avec la fibre ou des, vraiment des grosses cours. Alors que sinon, si vous avez une code merde, et ben vous allez tomber vraiment sur des connexions vraiment pourries. Et donc vous pourrez pas faire de gameplay. Et puis vous pourrez pas faire de gameplay. Vous allez laguer dans tous les sens, ça va vous saouler. Et puis voilà. Je connais des gens comme ça dans que c'est le cas. Donc voilà. Donc je disais que c'était plus difficile pour ça. À cause justement de ce matchmaking là. Des armes qui sont pas super non plus faciles à jouer. Après, je trouve que au niveau des maps, c'est vraiment dur de s'adapter par rapport aux exosquelettes. C'est-à-dire que si vous voulez jouer sans exosquelette pour éviter de vous faire back ou etc. Et ben les maps sont pas adaptées avec le mode classique. Les maps sont vraiment pas adaptées, donc j'espère qu'ils en sortiront spécial mode sans exosquelette. Et donc voilà, après sur les autres codes, je pense que c'était plus facile de faire des plus de 100 kills ou des doubles DNA ou des triples DNA, car on n'avait même pas besoin de faire de River Boost pour y faire. C'était vraiment les maps qui étaient assez petites, à part dans Ghost bien sûr, où c'était vraiment le spawn qui nous permettait de le faire. Mais dans un W c'est limite impossible. Donc après on verra au milieu du jeu, mais là je peux pas vraiment m'avancer sur ce truc là. Mais pour moi c'est vraiment beaucoup plus dur. J'ai encore jamais fait un plus de 100 kills, alors qu'il y en a qu'on a déjà fait peut-être. Mais moi je reverse peut-être pas au bout. Enfin je reverse peut-être pas en temps. Parce que je vais vous rappeler les cas que moi j'ai un compte pour vous River Boost, mais qui a plus de 200 de score par minute. Donc pour moi c'est pas vraiment un compte River Boost. C'est la moitié de mon compte si vous voulez. Donc je joue contre des gens qui sont à moitié moins forts. Donc voilà. Et encore les gens que je tombe, des fois ils font aussi du River Boost, mais ils sont assez forts. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ce sujet de vidéo vous aura plu. Comme ça vous aurez pu un peu. Vous aurez vu un peu mon avis sur justement les performances sur ce jeu, si elles sont plus dures ou pas, voilà. Donc c'était vraiment assez court, c'est j'ai pas vraiment voulu dire l'essentiel et pas aller chercher des trucs que je ne sais même pas, où je pourrais pas vous expliquer parce que le jeu on vient de l'avoir, là même pas 2 mois donc ou 1 mois, donc je pourrais pas vous sortir pourquoi c'est plus dur, pourquoi voilà. Là je vous ai essayé de vous expliquer vraiment au maximum ce que je pouvais. Je vais pas aller dans le détail de toutes les performances possibles, pourquoi c'est plus dur, pourquoi c'est moins dur. Donc voilà. Donc ça je vous ai dit mon avis. Donc maintenant vous êtes d'accord ou vous êtes pas d'accord. Je vous encourage à mettre un j'aime, un like. Enfin je veux dire un like oui pour les gens qui sont anglophones. Un commentaire et un petit partage pour nous soutenir. Et donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, peace.